Salut à tous, ici Morgan James, qu'est-ce qui gré, bien directement de ma chaîne YouTube. Et je m'appelle également JoyJoyson911, bien directement de mon PlayStation Network. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test, c'est cette fois-ci sur la PlayStation Vita, donc sur la PS Vita. Normalement, c'est rare que je fasse des vidéos sur la PS Vita parce que. Comme mes vidéos, je les filme avec mon téléphone. En fait, quand je filme sur un petit écran, ça me fait une mauvaise qualité. Je le reconnais. Mais bon, de toute façon, j'ai pas énormément de jeux à montrer sur la PS Vita. Puis de toute façon, il y a des jeux qui sont un peu nuls, donc je vais pas tout montrer. Là, on fait une vidéo test sur un jeu que j'ai réellement kiffé, que j'ai acheté il y a 2-3 jours de ça. Sur le PlayStation Network, donc c'est un nouveau jeu qui vient de sortir et il s'appelle Real Boxing. C'est un jeu de boxe qui est vraiment très très bien foutu, qui prend en route le nouveau moteur graphique sur la PS Vita. C'est l'un des meilleurs jeux de sport qui puisse exister sur la PS Vita en ce moment. Donc là, c'est un jeu qui se base principalement sur la boxe, qui est vraiment très très bien foutu, qui comporte également des trophées. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc voilà, vous avez des trophées qui sont assez simples, hein. Donc voilà. Donc là on peut voir dans mes stats que j'ai 46 victoires et 2 défaites seulement. Donc voilà. Donc là c'est une petite vidéo d'introduction. Bon, il y a un petit temps de chargement, donc c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu. Donc voilà, encore un petit temps de chargement. Ça change pas que de d'habitude. Donc voilà. Et voilà le menu du jeu. Donc là ici à gauche c'est mon personnage. À savoir que votre personnage vous pouvez le personnaliser à volonté. Donc voilà, donc en fait le menu du jeu est comme ceci. Donc vous avez combat rapide, carrière, multijoueur, gymnase, profil et options. Donc combat rapide, c'est juste des combats à faire simplement. Après le mode carrière, il se divise en 3 parties. Donc vous avez le tournoi Roadster, les nuits des champions et légendes de la boxe. Donc là je suis aux légendes de la boxe, donc c'est un petit peu difficile, mais je pense pas que je vais vous montrer dessus la vidéo parce que les combats sont de plus en plus longs, car tant que vous achetez pas des habilités à votre personnage, votre personnage est un peu faible et les combats sont de plus en plus longs. Donc là, je l'ai presque boosté à fond, mais bon, les combats sont quand même assez longs parce que les mecs, se défendent assez bien et leur barre de vie se recharge. Donc c'est un peu chiant. Après, vous avez également le mode multijoueur qui est vraiment très très bien foutu. J'ai testé 2-3 combats, c'est vraiment très très bien foutu. Vous pouvez dialoguer via le micro de la PS Vita directement en combattant. Donc le jeu se comporte en multijoueur. Vous avez combat unique, européen, championnat, inviter les amis, classement et local. Après vous avez le gymnase, là où vous achetez les compétences pour votre personnage. Donc là je suis carrément à fond, presque. Après vous avez des trucs ici où il y a mon doigt. Donc là c'est un entraînement sur le ring. Après c'est des petits entraînements frappe de sac, de la corde à sauter, etc. Et quand vous finissez tout, vous débloquez des atouts supplémentaires pour votre personnage durant les combats. Donc il me reste encore 2 ou 3 à débloquer. Attendez que je regarde si j'ai rien oublié. Non. Alors le profil, donc voilà, le profil c'est vous avez le nom de votre personnage. Vous pouvez acheter à volonté les couleurs de votre gant, les couleurs de votre short, les couleurs des chaussures. Vous pouvez également mettre des tatouages à votre personnage. Vous pouvez également modifier la coiffure, la moustache et la barbe. Après vous avez les succès, donc là c'est les trophées que vous allez débloquer. Vous avez également les statistiques de votre carrière. Donc là je suis
46 victoires, j'ai fait 2396 coups de poing, j'ai évité 249 coups. Victoire par KO 45, défaite 2, défaite par KO 2. J'étais à terre 98 fois. Et après, vous avez les statistiques multijoueurs où j'ai gagné une fois, zéro défaite. Donc en fait, j'ai fait juste un match en fait. Je pensais que j'en avais fait plusieurs, mais. En fait, j'en ai fait plusieurs, mais c'est avec un pote. Et ça m'a pas compté, ça m'a pas compté la défaite et ma victoire, donc c'est pas grave. Donc je disais que vous pouvez personnaliser votre personnage à volonté. Donc voilà, vous pouvez acheter les shorts pour votre personnage. Hein. Tiens, maintenant pour envoyer des trucs, on peut envoyer des cadeaux également à des amis. Je viens de le remarquer que maintenant. Donc voilà, vous pouvez également personnaliser la couleur de vos gants, également la couleur de vos chaussures, mais bon, les chaussures on les voit pas tellement en fait dans le jeu. Vous pouvez également acheter des tatouages hein, pour votre personnage. Donc voilà, donc des tatouages dans le dos, donc ça je l'ai montré, des tatouages sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche également. Donc à force c'est les mêmes logos, hein, je précise. Voilà, et après ben, vous pouvez mettre de la moustache, etc. à votre personnage. Vous pouvez mettre une crête, etc. Vous pouvez mettre des dreadlocks, des cheveux en pétard, un peu tout. Donc, moi j'ai laissé la crête. Voilà, et le gymnase. On va faire entraînement, on va faire de la corde à sauter. Où là, c'est du QTE. Donc, en fait, faut appuyer sur les touches au bon moment. Donc désolé pour la mauvaise qualité, je sais, je le reconnais, il y a beaucoup de personnes qui me disent, j'attends d'acheter un bon matos pour faire des vidéos un peu meilleures. Donc j'ai également, je précise également, parce qu'en fait je reçois beaucoup de commentaires sur ma vidéo bêta de Killzone Mercenary, et beaucoup de personnes qui m'ont dit que... Je m'étais trompé dans les dates, effectivement, mais en fait, bah, le jour où j'avais fait la vidéo, dans la description, en fait, j'avais mis mes excuses, comme quoi que je m'étais trompé, et dans la description, j'avais mis les bonnes dates, et malgré tout ce temps, il y a encore des personnes qui commentent encore, commente encore la vidéo en disant que j'ai mal prononcé les dates alors que je m'étais excusé depuis longtemps pour les dates, mais bon, les gens critiquent et ne lisent pas forcément la description. Donc voilà, donc le jeu Killzone, hein, je rappelle, il sort dans 3 jours et je ferai une vidéo test sur le solo du jeu parce que je l'aurai demain. Normalement, et bah je ferai une vidéo test sur le solo et sur le multijoueur, mais bon, on va pas s'attaquer sur Killzone Mercenary parce que aujourd'hui c'est une vidéo test sur Will Boxing. Donc graphiquement, il est assez bien foutu. Une petite déception en fait, c'est que les personnages, en fait, malgré que vous boostez à fond la force, l'endurance et la vitesse, et bien votre personnage ne grossit pas. Il ne prend pas de volume, il ne prend pas de volume physiquement, donc c'est un petit peu gênant. Donc voilà, vous avez plusieurs arènes en fait pour jouer. Bon, on va prendre une arène normale, hein. On va prendre celle-là. Hop, et le jeu en fait c'est bien foutu parce qu'en fait, donc je vous explique, en fait vous avez 3 modes pour jouer. En fait vous avez soit vous jouez avec l'écran tactile avant et arrière, soit vous jouez avec les touches carré, triangle, rond, X et les trucs directionnels là, ou soit vous jouez avec les joysticks et le joystick droit. En fait le joystick droit comporte tous les coups, bah, la touche carré, triangle, rond, X plus et la croix directionnelle. Donc en fait le joystick, donc en fait vous jouez juste avec les deux joysticks, enfin moi je joue juste avec les deux joysticks, comme ça je fais tous les coups directement. Et les gâchettes derrière, donc L et R, servent à faire soit des frappes vers le bas ou esquiver et vous protéger. Allez,
Donc là, j'ai pris un gars faible, donc ça allait un peu vite, parce qu'en fait, comme mon personnage est boosté, il est boosté à fond, presque. Il doit me rester juste 5 compétences à acheter, puis je suis à 100%. Ça va assez vite. Donc faut, franchement, pour le premier championnat, pour le premier tournoi, c'est assez facile. À partir du deuxième championnat, faut vraiment, avant de le commencer, il faut vraiment booster votre personnage. Donc ce que j'ai fait, j'ai rejoué 2-3 fois le premier tournoi pour avoir des points de compétence et de l'argent en plus. Pour pouvoir acheter des compétences à mon personnage et pour booster mon personnage pour battre facilement les adversaires du deuxième tournoi. Donc là il se protège, donc j'arrive pas à le mettre à terre. Donc ne te relève pas. Ne te relève pas. Ce qu'on va faire, c'est. Je vais me dépêcher sur ce combat-là. Et bon, bah voilà. Il est directement KO. Donc, c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage d'avoir votre personnage carrément boosté. C'est que vous faites même pas un round. Donc, voulez-vous combattre de nouveau? Non. Je crois que j'ai mis oui. Oups. Et en fait, on va continuer le championnat. Je vais essayer de vous montrer un peu. Un peu la difficulté du jeu. Parce que franchement, c'est pas qu'il est difficile, mais c'est que. Ah bah non, c'est bon, j'avais fait non. Donc c'est good. Donc, on retourne en carrière. Légende de la boxe. Donc ici. Et on fait OK. Donc là, je suis en vert. Donc ça veut dire que j'ai des points de compétence en plus que le mec. Donc en force, j'ai 94%. En endurance, j'ai 93%. En vitesse, j'ai 93%. Lui en force, il a 94%. En endurance, il a 91%. Et en vitesse, il a 92%. Donc, j'ai quand même un petit avantage. Donc, le défi du jour, c'est mettre votre adversaire KO avec un crochet. Et la récompense, c'est un point d'amélioration et 100 crédits. Donc, on va essayer de le mettre à terre, mais bon, c'est un petit peu difficile. Et à partir du sixième round, si à partir de la fin du sixième round, il n'y a personne qui est mis KO, ben c'est le choix du jury de prendre la décision qui est le vainqueur. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Et bon, ça, j'ai réussi à gagner les 3 décisions, mais c'est assez difficile quand même. Donc, tous les deux, un coup, ça va pas aller. Bien sûr, il évite mes coups, l'enfoiré. Donc, je me suis fait toucher en plus. Voilà, il se protège, il se protège. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va prendre beaucoup de temps. S'il continue à se protéger comme ça. En plus, je lui fous des patates, il perd pas beaucoup de vie. Moi, j'en perds un bon paquet. Comment ça se fait alors que j'ai un avantage? Alors, le nom de mon personnage, parce que je sais pas si vous voyez, il s'appelle le Motherfucker, comme le méchant dans Kick-Ass 2, et mon ennemi. Enfin, mon adversaire, il s'appelle Gustavo Herrera. Gustavo. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir la nationalité, etc. de votre personnage quand vous le créez. Parce qu'en fait, quand vous commencez le jeu, en fait, il vous donne 5000 crédits, un truc comme ça, je crois. Et vous pouvez personnaliser un peu votre personnage. Donc, vous pouvez déjà acheter une coiffure. Une moustache ou une barbe, ou mettre quelques tatouages et acheter un short ou une couleur de. Ou une couleur de vos gants, comme vous préférez. Et là, il évite mes coups en plus. Ça ne va pas le faire. Je vais pas être content.
Le truc qu'il a fait, c'est que bah, là, je pense pas que vous le voyez, mais quand vous donnez des coups puissants à l'adversaire, il reçoit des bleus en fait sur sa peau. Vous voyez déjà qu'il y a déjà un coquard. Bon, là, déjà, il saigne un peu de l'œil. Je crois qu'il doit avoir l'arcade pété parce que il est rouge à son œil. Et c'est ça qui est assez bien foutu. Donc là, encore 8 secondes et on aura fini le premier round. Et il n'y a encore personne de KO. Enfin, je suis presque HS, mais bon. C'est faisable. C'est faisable, il faut tenir le coup. Une petite distraction. Hop, allez, et c'est reparti encore une fois. Mon grand défaut, c'est que je me protège pas assez en fait. Je crois que je vais passer une demi-heure de vidéo pour faire juste un simple combat. Mais bon, au moins vous voyez un peu comment ça se passe à la fin du jeu, parce que là, je suis dans le dernier tournoi. Et je dois être au deuxième ou troisième combat du dernier tournoi. Et ça c'est difficile parce qu'il y a sa barre de vie qui remonte un petit peu. Et en dessous de la barre de vie, en fait, vous avez une petite jauge qui se recharge en fait. Et en fait, c'est la puissance de votre coup que vous donnez. Donc quand il est vide, bah, c'est des petits coups, et quand il est rempli, ça note des putains de grands coups. Donc là, il perd pas de vie, donc ça commence un petit peu à m'énerver. Il veut pas prendre les coups. Et depuis tout à l'heure, soit il les évite, soit il se protège. Ça va pas le faire. Je vais pas être d'accord du tout. Oh yes, voilà. Allez, viens, baby. Viens, 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 viens. Ça, ta gueule. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Là, je commence à le rattraper. Ça, c'est vraiment magnifique. Oh oui. Donc malheureusement les commentaires sont en anglais dans le jeu. Mais bon, c'est pas. Bah de toute façon le jeu en fait est carrément en anglais, je pense. J'ai pas vu de mots en français dans le jeu. Donc oh, un petit KO. Yes, ça c'est bon. Donc je disais que le jeu en fait est carrément en anglais en fait. J'ai pas vu de mots en français à ma connaissance. Donc, bon, deuxième round. Donc, on commence le troisième round. Donc, j'ai mis KO une fois. Donc, c'est plutôt good. J'ai un petit avantage quand même. C'est de l'avoir mis KO une fois. Et je crois qu'il va se remanger une patate et qu'il va retomber à terre, je pense. Ah oui, oh, que c'est beau, que c'est beau. Voilà. C'est magnifique. Oh. Et il se relève pas du tout. Donc, c'est plutôt good. Est-ce que je l'ai mis à terre avec un crochet? On va voir ça de suite. Je crois que je l'ai mis avec un uppercut, mais je pense. Je sais pas du tout en fait. Est-ce que les défis du vrai? C'était avec un crochet, donc j'ai mis un uppercut et non un crochet, donc bah voilà. Tant pis, j'aurais pas mon point d'amélioration en plus. À savoir que à chaque fois que vous gagnez un combat, vous gagnez 2 points d'amélioration en plus. Ou 3 si vous réussissez le défi. Hop, voilà, 94%. On va aller au gymnase, on va acheter un point de compétence. Hop.
Donc là, 95% en force et 94 et 94 en endurance et en vitesse. Et on va refaire de l'entraînement pour entraîner notre personnage. Donc des fois, parfois, c'est un petit peu chaud en fait, parce qu'en fait, vous faites les bonnes manipulations, mais ça prend pas. Ça me prend pas votre truc. Parfois. C'est même souvent même. Pourtant, je dirige bien le joystick en haut à droite. Mais il le prend pas. À gauche, il le prend, mais à droite, il le prend pas du tout. C'est bizarre. Tout ça parce que je suis black. Ce n'est point possible. Et bah, c'est. Hop, on va faire un peu de corde à sauter. Voilà, comme ça on va débloquer notre dernière compétence. Et puis voilà, comme ça on est tranquille. Hop, hop, hop. C'est plutôt good pour le moment. J'ai pas fait de faute. Que je parle pas trop vite. Voilà, et après vous avez le frappe de sac qui se trouve ici. Donc voilà, en fait c'est juste taper dans le sac. C'est le même truc que tout à l'heure, mais autrement. Là, vous avez des autres coups à faire, en fait. Donc, ok, il veut pas prendre mes, il veut pas prendre mes trucs parfois, mes mouvements. C'est sympa. Bande de motherfuckers. Hop, hop. Et voilà. Et vos dégâts. Donc là, j'ai gagné le dernier atout. Et l'atout, c'est vos dégâts et votre endurance augmentent lorsque vous sentez pas sous la barre des 10%. D'accord. Et ben, on va se quitter dessus, mes petits amis. C'était le jeu. Real Boxing, c'était sur la PS Vita. Donc le jeu, il vient de sortir en fait. Il est sorti cette semaine ou la semaine dernière pour moins de 10 euros, il y a 9,99 euros. Franchement, je vous le recommande si vous aimez les jeux de boxe. Donc moi, je suis vraiment pas fan de jeux de sport sur les consoles. Je me suis laissé tenter sur ce jeu-là et franchement, c'est quand même l'un de mes coups de cœur des jeux PSN sur la PS Vita. Donc je vous le recommande, j'espère que ça vous a plu et on va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!